De là où le vent est stationnaire à 10h sur la Canoro, bonjour à toutes et à tous. On a un temps gris couvert, très doux. Le vent au sud était très doux. Mais là, vous allez voir des images avec du vent sideshore, plein sud. Mais là, à l'instant, le vent vient de tourner. Il est onshore, ouest-nord-ouest, soutenu. Il y a Saint-Beaufort. Donc, on a un plan d'eau qui est clapoté et moutonneux. Hein, ça ne correspond pas aux vagues qu'on va voir. La température extérieure est à 14 degrés. Celle de l'eau est à 16-17 degrés. Regardez les vagues au bord là, pas celles de devant, mais celles qui vont venir après. Là, hop, dans le... Non, pas là, un peu après, mais j'en ai eu quelques-unes au bord là, creuses tubulaires. Mais après, elles ont disparu, puis maintenant le vent est onshore, donc c'est pas valable. Donc là, nanani nanana, l'eau est à 16-17, la marée elle est haute à 15h, des coefs de 67, sur cette marée qui monte, bah, le vent il a tourné, donc hein, il est fort onshore. La bouée est à la hausse à 3,70 et 11 secondes, mais pour le moment, il y a la même taille que ce matin, 1,50 m à 2 m en déferlement régulier, 2,30 à 2,50 sur les séries qui rentrent fréquemment, et on a 2,80 sur les gros 7. Pas de surf et pas d'action, et puis donc les images, elles ne correspondent pas aux conditions. Là, les pins denses, copieux, avec un vent onshore. L'évolution pour la mi-journée, ça va grossir, la bouée est à la hausse à 3,70 et 11 secondes, le vent va se renforcer fort. Prévision à 13h, 3 m, petit 3,50. Ou l'ouest, nord-ouest, à ouest, 13 secondes de période, bon, ouest, nord-ouest, ainsi. Et à 17h, 4 mètres, petit 4,50. Ou l'ouest, nord-ouest, à ouest, 12 secondes de période, bon, ouest, nord-ouest, 7, 8. Attention à la mer dangereuse cet après-midi, avec le vent fort et la houle qui grossit. La Cano, prochain point, midi.